Et on se dit rebonjour. Donc on est de retour sur Icewap pour l'épisode 8 du coup. Et on cherchait l'overpad pour sortir Xephros des décombres. Et là il y a un livre, c'est quoi? Un gros livre bizarre, ok, je peux la prendre? Alors, Big Book of Beasts. Le grand livre des Ramaseski semble être le grand livre des bêtes. Vous le feuilletez et vous apercevez des tonnes de monstres qui passent de bizarre à mignon, à effrayant, à spectaculaire. Vous utilisez ici pour apprendre plus à propos de la faune bizarre alien sur cette planète bizarre alien. Superbe! On dirait une sorte de container, enfin de coffre-fort, vous supposez. Enfin, c'est pas assez difficile de dire, mais au vu de l'environnement, mais ça semble correspondre à votre taille. Tabak semble plutôt parano quand même. Même si vous pouviez ouvrir son coffre, ça serait pas vraiment très sécurisé. Intraduisible, c'est des trucs intraduisibles quand t'es improvise. Alors le bureau est quand même pas mal pas ouf au vu de tous les pistolets dessus. Si il y a besoin de faire des le paperasse, on va faire ça ou pas autre part. Hein. Alors. Ok, alors, dans le meilleur des cas, cet énorme sac de gelée grotesque et une sorte de comment c'est de bathtub, c'est de baignoire alien que quelqu'un a oublié de vider. Dans les pires des cas, ce sont des toilettes extrêmement empoisonnées. Alors, oui. Le livre des bêtes moyen. Le livre des bêtes, le petit livre des bêtes et et plusieurs bêtes mis ensemble dans un ordre au hasard dans un livre. Très bien. Alors, c'est pas vraiment comment la door s'ouvre, enfin le... Là, faut mettre sa main quoi. Ou alors c'est peut-être que la salle de l'autre côté, c'est la salle 4. Ou la salle main. Ou alors c'est évidemment le signe évident, le signe local évident pour... Il y a des monstres létaux derrière, n'entrez pas! Enfin bon, cette chose sent pas vraiment être... Il n'y a pas vraiment ça a pas l'air... Pas beaucoup d'électricité derrière. Si on faisait ça par exemple. J'aime bien comment elle le jette. Hé hey. Salut Joey, comment ça va? Alors, pas vraiment, je pense que j'ai accidentellement tout mis en verrouillé. En lockdown. C'était en confinement, voilà. Non, tout était verrouillé avant, mais j'ai sûrement réussi à passer une porte. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Enfin, le tétrarque, il est en grande sécurité quand même. C'est quoi le truc exactement? Il est vraiment paranoïaque ou ta planète est vraiment super dangereuse? A mon avis, si toutes les maisons sont pleines de flingues. Ouais, en vrai, ma ruche est quand même assez un peu différente. Déjà, c'est plus propre. Et j'ai un arbre dedans pour qui grandit dedans pour me lui. Il y a pas de pistolet. Ouais, ça a l'air cool, hein. Pourquoi il a autant de besoin de pistolet en fait? Bah, je peux te dire, étant donné que t'es une autre sans dérouille. Mais dis pas à personne, c'est secret. Je connais aucune autre personne sur ta planète. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ok, alors. Alors, en gros, on se rebelle. Quoi? Ok, oui, non, mais tu veux prendre une minute pour réfléchir. Je sais que ça prend beaucoup à...
procéder quoi. Mais ils sont rebellés contre quoi? The Man? Comment ça, The Man? C'est qui, The Man? Alors, au vu des couleurs, je vois à peu près qui c'est, mais enfin. Enfin, après, lisons le stock, c'est utile quand même. Mais genre, je vois qui c'est. Je vous spoilerai pas parce que bah, c'est Homestuck, hein. Faut lire Homestuck. C'est quand même important. Mais comment jouer, c'est qui c'est? What the fuck? Ouais. Bon, bref. Putain, j'avais oublié ce passage. Alors, non, l'héritière, c'est une fille. Enfin, je veux dire, ok, t'es une alien, mais. Alors, un peu de contexte. L'héritière, c'est une tyranne. Une tyranne meurtrière qui. Qui tient toute la planète. Naître entre ses mains poisseuses et maléfiques. Poissonneuses et phalliques. Poissonneuses. Ouais, c'est. C'est une. Ah oui, c'est une troll aquatique. Et une sans fuchsia. Une des deux seules. Enfin, l'autre. Ah, pour le moment, elle est quand même assez loin. En train de. De mener la conquête d'autres galaxies ou je sais pas quoi. C'est bah, heureusement pour nous parce qu'elle est super puissante. Ah yeah, c'est quand même pas super pour vous, pour les autres planètes, pour les gens sur les autres planètes. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Bon, enfin bref. L'héritière, bah déjà c'est déjà quand même assez pour s'occuper. La plupart des autres nobles sang la suivent et bien sûr, elle a son armée de drones. Oui bien sûr, c'est comme ça tout le temps quoi. Ouais. Je déconne, je sais pas ce que c'est, les nobles sang ou les drones, ou enfin ou l'armée de drones, ou je sais pas. Enfin, ça fait quand même un peu chier d'être. Ah, je suis nouvelle ici, sur votre planète. Est-ce que tu peux m'amener à connaître tout rapidement sur tout en fait? Allez, regarde-moi avec surprise alors que je t'impressionne avec le fait que je sais absolument rien. Fais-toi avec tes yeux sur mes blagues à pas bien exécuter. Ouais, c'est. T'es quand même t'as l'air quand même plutôt de bonne humeur en temps là quoi. Ah, je pense que. Ah, c'est. Enfin, t'es quand même pas trop déprimé pour ça. Je pense que si je. Enfin, j'étais envoyé à l'autre bout de la galaxie ou je sais pas quoi, bah je pense que j'aurais quand même peur, hein. Est-ce que t'es pas en train de genre de saigner à mort sous plein de cailloux? Ah, effectivement. Ah, c'est quand même chiant d'avoir aucune idée de ce qui se passe, hein. Ouais, bah les drones, c'est les trucs qui volent dehors. Ils nous prennent en garde à vue et ici nous voient un instrument qui nous tue pas qui nous tue pas directement avec des en nous tirant des missiles dessus jusqu'à ce qu'on soit mort. Ah ouais. Ok alors. Tout ça peut attendre avant qu'on sorte de là. J'ai trouvé ton overpod. Je te recontacterai bientôt. Alors. Ah ouais, la tablette elle refait ce truc là. Xerox, t'es là? Alors, je peux pas vraiment aller autre part avec les débris qui sont en train d'écraser mon corps lentement. Ah oui, c'est vrai, merde. Non, mais ça va. Non, mais justement, ça va pas. Essaye de pas bouger. Ok, j'arrive. J'ai essayé. J'ai un peu pour nommer le commandant. Attends, un petit moment. J'ai des problèmes avec ce security puzzle. Bah, le puzzle de sécurité, quoi, que tu peux l'appeler. J'ai réussi à faire celui dans la cave sans problème, mais celui-là va un peu différent. Puzzle de sécurité. Ah, tu veux dire le serpent que le tétradermec a mis à son système de sécurité, quoi. Alors j'aurais pas utilisé ces mots, mais je pense que c'est ce que je parle, c'est sûrement ça. Y'en a un autre? Un différent? Ouais. Le start screen. L'écran de démarrage un peu différent. Et y a toujours l'électricité, donc je sais pas à quoi c'est connecté. Bon, la sécurité de ça reste son lit.
Il la modifie toujours pour la rendre plus complexe. Ouais, ouais, pour les, celui dans le cave, j'ai juste besoin de manger les lettres. Mais non, c'est différent. Enfin, il y en a plusieurs à manger, et je sais pas quelle lettre à manger. Ça fait sens. Ah, c'est sûrement XXXX. Quoi, vraiment? Non, je veux dire XXX. Ouais, ouais, j'ai compris. Non, non, c'est pas ça. Je l'écris, mais ça arrête pas de changer, être un... plein de X. Peut-être que c'est le nouveau security software que j'ai installé. Ça se sûrement arrêter de poster mon mot de passe sur le chat. Attends, vraiment? Attends, laisse-moi essayer. Taylor Stoma. Une cisate. OMG, c'est quoi ça? Non. L'X ça se transforme en un symbole X. Bah, tu dis, il y a Tetrax. Donc ça se reconnaîtrait pas ton mot de passe. Ah, je peux croire que c'est ça. J'ai plus jamais montré ma tête sur cette planète. Quoi? Ça a l'air d'être un super mot de passe. J'aurais jamais pensé que tu vois très intelligente. Non, apparemment, je suis super stupide. C'est quoi qui est gênant? Tout le monde fait des erreurs. C'est juste... Ouais, c'est le nom d'un garçon que j'aime. Ah bon? Ouais, bah dire à personne, c'est ce que mon mot de passe c'est aussi. Ah? T'as une paire de filles que t'aimes? Non, 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 c'est un garçon. Waouh! Attends, comment ça, t'es un garçon? Mais ils sont... C'est bon, ils sont... Guy, oui. Je crois que t'étais un garçon tout le temps. Bah oui, je suis. Oh. Oh. Donc ouais, bah alors, je veux pas te presser, hein, mais en fait, je suis en train de mourir sous les rochers. Donc à propos de la console de sécurité, je suis obligé de refaire la voix à chaque fois parce que j'oublie. Ouais, ouais, à propos de ça, ouais. Est-ce que tu peux te donner un indice? Alors, c'est le NEM. C'est le NEM. c'est la crâne mourue. Non, c'est le nom de notre groupe, mais bah y a plusieurs façons de l'épeler. Ouais, c'est plutôt bizarre. Ouais, C'est à toi de changer entre the machin. Je sais pas lequel est le bon en fait. Ouais, bah je vais essayer de trouver et voir si je peux pas trouver quelque chose. Ouais, à mon avis, il a sûrement marqué quelque part, hein. Ouais, enfin, j'espère, quoi. Enfin, j'ai essayé de conserver ma force un peu, quoi. Parce que là, je commence un peu à ne pas être mort. Ouais, ouais. Tiens bon, j'arrive. Tiens le bambou. Tu sais que c'est un trophée pour le meilleur tour 4 places au trash pour Konishu. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça? C'est quoi ça, putain, ça, c'est bordel. Waouh, une TV, grand écran. Ouais, ça vous impressionne quand même. Le Tetra Grammar est sûrement quelqu'un qui est sort de... Il c'est quand même un gros millionnaire, hein. Il n'y a pas de VCR. Ah oui, ça c'est les VCR, c'est les cassettes, ça. Il n'y a pas de magnétoscope. Hein. Alors cette imagerie est complètement opaque, hein. C'est sûrement des modifications culturelles profondes aux habitants de ce monde. Alors, Damek, essaye d'écrire entre The Grubbles, c'est plusieurs fois. The Grubbles sont son favori au moment, bien que jusqu'à ce qu'il le défasse et qu'il en marque encore un temps entre eux. Donc, qu'il en écrive encore un à côté en dessous. Un ordinateur, vous demandez si. Si Damek fait ses propres jeux vidéo afin de d'oublier ses problèmes comme Clarissa elle fait. Clarissa est tellement cool. Ah, oh, c'est dégueulasse, c'est quelqu'un a laissé sa bouffe et un gros insecte dedans. Ou alors il mange des insectes. Ah, c'est sûrement ce qu'il y a le seul truc qu'il y a à manger ici. Vous aurez vraiment dû bouffer quelque chose avant d'arriver ici, hein. Non, c'est pas ton insecte, c'est pas votre bol, c'est pas votre problème. Ah, c'est un peu ridicule, hein. Qui ferme sa porte, la porte de sa cuisine? Est-ce qu'il s'inquiète que quelqu'un va voler ses... Ouais, bon, ok, c'est juste. Quelqu'un, il y a aucun moment, il y a aucun moyen qu'il bouffe des insectes quand même. Ah, mais du coup, les Grubbles...
Alors attends. Là ça. Là, oh putain, c'est dur à retenir ces conneries. Hein. Attends. Je vais marquer ça quelque part. Histoire de retenir parce que. Parce que bon, hein. Alors ça ressemble à ça. Hop. Hop. Non, c'est hop, ça ressemble. Putain, c'est dégueulasse à écrire. Hein. Hop. Hop. Alors, là, vous voyez pas, mais je suis en train d'écrire tout le code. Ah, c'est du parce que bon, je veux quand même pas retenir ces conneries. Hein. Et hop, voilà. Allez, c'est parti. Évidemment. Alors. Mais non, je sais le code, parce que je l'ai sous les yeux. C'est comme vieux jeu, hein. J'ai joué comme quelqu'un de vieux jeu, hein. À pas se dire que peut-être qu'un garçon peut aimer des garçons. C'est comme très vieux jeu. Bon, en même temps, elle est de 1914. Allez. Normalement c'est l'avant-dernier ça. Alors par contre si je fais de la merde. Si je fais de la merde pareil ça va pas le faire. Et c'est bon. Ouais. Oups. Coucou. Hop, la petite danse et le rouleau jeunesse. Ouf. Alors, j'ai réussi à trouver la solution au jeu, mais le monstre qui m'a chassé dans. Enfin, je suppose que c'est sa cuisine. Enfin, c'est un peu, c'est sale quand même, mais je te reste informé. Un monstre? Enfin, je suis désolé, je suis un peu dans les vapes là. Le chasseur là. Ah oui, merde, le Gigit. Ok, oui. Donc pendant qu'on est une seconde, est-ce que tu peux me mettre au jus genre, sur ce que ça veut dire. De quoi? C'est quoi un lusus? Wow. Quoi? C'est... Ah, c'est quand même super triste quand même. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Oui, oui, il y a les différences culturelles, mais est-ce que tu peux me parler de la bête sauvage qui me stalk? Pourquoi est-ce que de toute façon D'un mec, il a un monstre chat dans sa maison. Ouais, bah c'est pas vraiment si fou. Non, en général, c'est pas fou, c'est pas sauvage quoi. Ton Lusus, il prend soin de toi. Il te protège des monstres sauvages et aussi de monstres de mourir quoi. Enfin, de mourir de quoi que ce soit. Enfin, je pense que le mien, il est pas vraiment très bon à faire ça parce que bah, je suis toujours en train de me faire écraser. Pas vraiment, enfin, est-ce qu'ils sont genre des bêtes? Bah, qu'est-ce qu'ils voudraient faire? Ils sont toujours aussi. Pas contents quoi! Non, c'est pas exactement ça le terme, c'est. C'est en gros. Comment pour dire? J'ai le terme en tête, mais. Ils sont agités, voilà. C'est toujours aussi agité. Ah, je veux dire, ça serait quand même pas mal si tout le monde dans ta famille avait son propre. Ton propre monstre. Qui comme pas. Enfin, qui peut te déchirer la gueule. C'est quoi une famille? Ouais, bah c'est en gros, c'est des adultes et leur enfant et un adulte qui a. Ou alors un adulte et quelques enfants ou. Quelques enfants et leur babysitter et la. et l'absence, quand même. Quand même pas pratique d'un père qui n'est pas de la merde. Yeah.
l'absence bien visible de la merde. Les adultes? Oui, pourquoi? Les adultes vivaient sur votre planète? Bien sûr, c'est pas où ils vivent. Pour toi? Pour tes adultes? Enfin, c'est sûrement la chose la plus bizarre que t'as dit jusqu'au moment. Pour d'une certaine façon. Bah, une fois que tu arrives à l'âge, tu t'es envoyé hors de la planète pour ton horde Ali. Pour tes hordes. Et c'est tout? Y a personne qui revient? Jamais? Aucune exception, il n'y a aucun adulte sur Alternia. Je pense que ça doit être une autre de ces conversations qui me font dire « Ouais, je suis une alien !» Et dont on devrait discuter quand tu seras pas coincé sous des rochers. Ouais, sûrement. Attends, je vais devoir me reposer dans une seconde. Ok, alors, je vais essayer de me concentrer sur l'overpad. Et je te laisse, je vais te faire savoir quand je l'ai trouvé. Merci Joey. Moi je vais me concentrer sur le fait de maintenir ma conscience en fait. Hein. Ouais, c'est un bon plan. Reste en vie quoi. Pouvoir des enfants. Oh mon dieu, c'était horrible. Bon, désolé, au revoir. Il y a encore un frigo, alors. Vraiment un frigo ça. Ah, vous avez l'impression que c'est comme un frigo, hein, au vu de la forme de frigo et son emplacement dans ce qui semble être apparemment la cuisine. Alors, on a donc des pizzas. Alors, cette pizza a dû commettre tous les péchés qu'une pizza peut faire au vu des goûts et des sensibilités de la race humaine. Qui n'était pas considéré, n'ont pas été prises en compte durant sa création. Peut-être que c'est même. Elle mérite même pas son nom de pizza. Ah, du Lusus Milk, du Milk, du lait pour Lusus. Du lait pour Lusus. Ou du lait de Lusus. De toutes les manières, peut-être que ça calmera le monstre. Donc on va le prendre. Je prendrai le lait pour Lusus. Est-ce que ça calmera le monstre? Ah, c'est dedans? Ok, vous souvenez de jamais avoir d'anniversaire ici. Ça pourrait être n'importe quoi là. Hein. Vous n'avez pas encore ouvrir le Big Mac de Pandore. Est-ce qu'il a juste foutu comme ça plein. Il est juste foutu de fois la valise, plein d'œufs dans son frigo et il les a laissés comme ça? Mon dieu! Attends, j'ai pas vu un truc là. The Crux. Wow, c'est vraiment un nom stupide pour une boisson en cadette. Ah, oh, c'est super dégueulasse. Vous voulez nettoyer? Non. Oh, ouais. Vous avez définitivement voyagé dans un monde alien étrange pour nettoyer à fond la cuisine de ce mec. C'est comme ça que vous vivez votre vie. Pour sûr. Alors, du coup, on va monter les escaliers. Hein. Merde, j'ai oublié là.